Stop! Détendez-vous. C'est l'heure de... Bienvenue dans la pause sumo. Le Natsubasho a commencé, alors allons regarder les résultats des trois premiers jours. On notera d'abord l'absence de Kiseno Sato et de Takayasu qui ne participent pas à cause de blessures. Akuho est de retour, et pas à moitié, il est effectivement en 3-0, malgré un match un peu agité contre Mitake Umi au deuxième jour. Pour Kakuryu, c'est tout pareil, 3-0. Il a eu quelques difficultés à sortir Kaise au troisième jour, mais sans grandes inquiétudes. Les deux Sekiwake sont aussi en bonne forme, 3-0 pour Tochinoshin et Ichinojo. Tochinoshin a dominé son premier combat de manière spectaculaire en soulevant son adversaire comme à son habitude, mais son combat contre Abi a été un peu plus compliqué. Cela dit, il entre dans ce tournoi en grande forme. Ichinojo est fidèle à lui-même, très dominant, bien que Daiyaisho l'ait poussé dans ses retranchements. Le géant arrive dans ce tournoi avec 10 kg de plus et semble déterminé. Dans les autres lutteurs en 3-0, on retrouve Asanoyama, Okinomi, Ikioi et Shodai. Je n'ai pas encore parlé du seul Ozeki de ce tournoi, Goeido, et pour cause, il est en 2-1 suite à sa défaite face à Endo, également en 2-1. Goeido avait pourtant bien commencé avec deux très belles victoires. Le rookie Kyoku Taisei est aussi en 2-1. Après une défaite au premier jour, il ne s'est pas démoralisé et a gagné 2 jours de suite. J'attendais plusieurs lutteurs au tournant qui sont en fait en difficulté au début de ce tournoi. Kaisei et Abi sont en 0-3, c'est un départ compliqué mais il faut dire que leurs adversaires n'étaient pas de petites pointures. Ichinojo, Tochinoshin et Mitake Umi pour Abi et pour Kaisei, Goeido, Ichinojo et Kakuryu. Ce tournoi est dominé par les lutteurs de plus haut rang majoritairement. Les deux Yokozuna et les deux Sekiwake montrent qu'ils méritent leur place dans le haut du Banzuke. C'est tout pour ce début de tournoi, on se retrouve très vite pour voir l'avancement du Basho dans quelques jours. Je vous laisse avec quelques-uns des plus beaux combats et je vous dis à bientôt pour une prochaine pause sumo.